gloire à Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Soyez bénis, Sœur Laetitia, sois bénie. Un amour grand. Alléluia. C'est un amour. Soyez bénis. Shalom à sœur Venise. Shalom à toi Laetitia. Dieu bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. Esther. Soyez bénie. Bonsoir, ma sœur Anna. Soyez bénis. Alléluia. C'est la croix. Qui donc fuis pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire. Alléluia. Oh, verbe incarné, parole de Dieu fait ton chair. Alléluia. Agneau immolé, toi qui prie ma place au calvaire. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus, Emmanuel entre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, ma sœur Lydie Kozena. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Freddy. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. 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 Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est Lydie. Donc, c'est la sœur de. Que la sœur Venise soit bénie abondamment. Que Dieu te bénisse, ma fille Clarisse. Gloire à Dieu. Si tu peux aussi partager la vidéo avant qu'on commence, c'est le week-end. Nous voulons que la joie de l'Éternel soit réellement notre partage. Gloire à Dieu. Emmanuel. Alléluia.
Alléluia. Emmanuel. Oh, gloire à Jésus. Comme je t'en dis que tu es l'esprit. De toi j'entends dire que tu es créateur. Oh, et lui parole de Dieu fait de chair. Toi le Fils du Très-Haut. Alléluia. Qui va des yeux jusqu'à moi. Qui donc suis-je pour toi? Pour que tu prennes ma place à la croix. Alléluia. Pour que tu prennes ma place au calvaire. Oh, alléluia. Le Dieu fait ta chair. Alléluia. 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 Quel Dieu, le Dieu incréé. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu, notre Alléluia. Père. Cette chanson, vraiment, fait encore du bien. Et je crois aussi, c'est le cas aussi, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est cet amour? Alléluia. Alléluia. Quel est cet amour? Je sens l'amour de Dieu depuis ce matin, pendant qu'on priait. L'amour de Dieu a rempli réellement mon cœur. Je suis dans la joie d'appartenir à ce grand Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Jusqu'au moi. Emmanuel, tu es venu jusqu'à moi. Un pauvre pécheur que j'étais, des cieux, il est descendu jusqu'ici bas. Du haut des cieux, oh Jésus, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Cet amour qui te fit. Alléluia, alléluia. Cet amour. Que Dieu te bénisse, maman Justine Combe. Que Dieu vous bénisse. Cet amour qui te fit venir jusqu'à moi. De toi j'ai entendu que tu es un bébé divin. Alléluia. Que tu es le Dieu créateur. Le Verbe créateur. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Toi le Fils du Très-Haut. Pendant ce temps, si ça ne te dérangerait pas trop, partage aussi aux frères et sœurs. Dites-leur, c'est le moment où nous voulons écouter la deuxième partie de Joseph, père adoptif. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Déborah. Alléluia. Matoka, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman Janine Nkalo. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, ma soeur Christine. À partir de la République démocratique du Congo, que Dieu te bénisse abondamment. De cet amour qui te fit venir jusqu'à moi. Que tu prennes ma place à la croix. Qui n'en suis pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire. Que Dieu te bénisse, Moussa Warlet, ma nièce. Que Dieu te bénisse, Freddy, mon neveu. Gloire à Dieu. Place à la croix. Oh, Emmanuel. Emmanuel.
Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Chiba. Mon frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Bondo Géa. Gloire à Dieu, ma fille. Il est remonté Sion à la droite du Père. Reviens bientôt. Alléluia. Emmanuel. 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 Alléluia. Emmanuel. Remonté Sion. Alléluia. Je vais monter si haut, si haut, si haut. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Manuel. Mon frère Manuel, l'homme de l'assaut final. Gloire à Dieu. À la gloire du Père. Il revient bientôt. Oh, nous avons tellement soif de lui, qu'il revienne. Nous nous préparons, nous sommes prêts. Qu'il vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, nous vous aimons. De partout où vous nous suivez, Kinshasa, Birmingham, Londres, France, Guadeloupe, Martinique. Que Dieu vous bénisse, l'Allemagne. Emmanuel. J'entends dire que tu es le verbe divin. J'entends dire que tu es le verbe créateur. Le verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Jésus de l'eau, tu as le Dieu jusqu'à moi. Alléluia. Je vois. Que tu prennes ma place à ta croix. Qui suis-je? Alléluia. Qui suis-je pour toi? Pour que tu prennes ma place au calvaire. Oh, le éternel, parole de Dieu fait tes chairs. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous bénissons grandement le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier pour commencer. Merci pour votre présence. Que Dieu bénisse notre sœur Pat à partir de la Guadeloupe. Que Dieu bénisse abondamment. Dieu notre Père, nous bénissons ces moments de grâce et de faveur. Merci pour la joie que tu nous accordes, Éternel, en tant que ton peuple, d'être là, Seigneur. Toi qui as évité la mort, incident et accident dans nos vies et qui permet que nous soyons réunis autour de ta parole. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise et que l'Esprit parle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous saluons. Nous savons que Dieu est le Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Il nous a gardés. Et je crois fermement de tout mon cœur, partout où vous vous trouvez, vous êtes en bonne santé. Vos familles en bonne santé. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons, sans plus tarder, entrer dans notre message, notre deuxième partie. Vous savez, lorsque nous sommes en train de partager la parole de Dieu, nous ne sommes pas pressés par les temps, par quoi que ce soit. Nous voulons bien chronométrer les choses, parler librement et que le peuple de Dieu soit béni. Et comme j'ai suivi aussi le conseil de ma sœur Venise qui me disait, révérend, des fois, quand vous parlez, on n'arrive pas, vous parlez un peu trop vite. Alors, je vais essayer, à la lumière, à ma possibilité, d'aller un peu calmement, qu'on arrive à comprendre, à saisir réellement le message, ce qui est très important. Alors, notre texte de base, c'est dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18e.
Matthieu chapitre 18, pardon, Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez trouvé, quelqu'un peut mettre aussi les textes là, juste en bas. Ça serait une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse, ma fille Lolo. Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18e. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Verset 21, pardon. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème, Joseph, père adoptif. Et nous avons essayé d'introduire cette histoire merveilleuse de la Bible parce qu'il est très important dans notre vie de savoir l'origine de la personne que nous sommes en train d'adorer. La personne qui est unique en son genre. Sa naissance est une naissance qui ne s'est jamais produite dans l'histoire de l'humanité et qui ne se reproduira aussi jamais. Parce que Dieu, lorsqu'il prépare quelque chose, lorsque Dieu prépare le salut pour son peuple, Dieu utilise plusieurs moyens. Mais pour Jésus, vous allez voir dans l'Ancien Testament, on a prophétisé, on a parlé comment sa naissance devait avoir lieu. Alors, Dieu par sa souveraineté, suivez très bien, Dieu par sa souveraineté, il est venu, il a choisi Marie. Si Marie n'était pas prête, Dieu allait choisir quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle les gens doivent comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous croyons au principe divin. Nous croyons que Dieu, dans sa souveraineté, il peut choisir qui il veut. Comme moi, si je n'étais pas disponible aujourd'hui, Dieu allait choisir peut-être un autre homme de Dieu pour parler, ou Dieu serait peut-être connecté. Mais comme je suis disposé, Dieu est en train de se servir de moi. Et l'ange est venu, vous savez, pour la petite histoire, l'ange a apparu d'abord à Zacharie, qui est le père, et Élisabeth, père de Jean-Baptiste. Et lorsque Élisabeth, qui était déjà vieille, avancée en âge, est tombée enceinte, c'est le même ange qui est allé annoncer maintenant à Marie aussi. Pour lui confirmer que c'était Dieu. Il dit, même ta parente Élisabeth est aussi enceinte. Vous voyez, Dieu fait certaines choses pour amplifier notre foi. Il peut bénir, il peut amener une bénédiction de connexion. Cela veut dire, vous êtes dans une famille, il n'y a pas de mariage. Mais Dieu peut commencer avec toi. Une chose, Dieu peut briser ce cycle de mariage afin que les autres entre dans cette bénédiction. Et je crois que tu peux aussi être cette première personne à inaugurer un nouveau chemin
pour ta famille, un nouveau chemin pour ta famille, un nouveau chemin pour tous ceux qui sont tout autour de toi. Même au niveau du travail, il y a certaines choses que les gens n'arrivent pas à faire, mais que toi, tu pourras aussi les faire. Raison pour laquelle, ne te minimise pas. Peu importe ce que les gens, peu importe la grandeur des gens, sache que Dieu peut se servir de toi. Mais Dieu aussi peut étendre les limites de ta famille à partir de toi. Alléluia. Amen. Et c'est important, ma soeur, mon frère, à pouvoir réaliser ces choses dans notre vie. Joseph, il dort. Il n'a pas demandé, ma soeur, mon frère. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, montre-moi. Mais il s'est endormi. C'est alors que l'ange de l'Éternel vient lui parler, vient lui annoncer la nouvelle, comme quoi que il y a quelque chose qui se passe auprès de celle qui était ta fiancée, que tu dois prendre en mariage. Il y a quelque chose. Je veux te l'annoncer moi-même. Je ne veux pas que Marie vienne te le dire. Je veux te l'annoncer pour te dire que si tu n'es pas informé, elle est déjà enceinte. Joseph, la Bible dit pendant qu'il avait déjà pris la résolution pour ne pas la diffamer, Joseph s'est dit, autant mieux qu'on se sépare à l'amiable. Au lieu de l'amener pour qu'on la lapide, mais je préfère seulement me retirer. Et nous avons essayé un peu la fois passée à parler un peu des trois étapes dans le mariage chez les Juifs. Il commence d'abord par l'engagement. Donc cela veut dire que les deux familles, il y a la famille de l'homme qui dit, bon, nous allons chercher une femme pour notre enfant. Ils vont voir une famille en disant, en tout cas, votre fille nous plaît et nous voulons que cette fille soit notre belle-fille. Et la famille agrée. Et la deuxième étape, maintenant, c'est l'étape où ils viendront commémorer l'engagement d'une manière officielle. Vous savez, nous habitons un peu avec les Indiens. Par rapport à leur mariage, par rapport à leur culture, cela ressemble un peu aussi à la culture juive. Parce que les Indiens, pour le mariage, c'est une histoire de famille. La famille s'organise. Et lorsqu'ils entament le mariage, ou ils doivent se marier, ils fêtent cela pendant 7 jours. C'est-à-dire, durant 7 jours, ils sont en train de célébrer. Pendant que nous autres, nous attendons peut-être les samedis ou les dimanches, mais eux, c'est peut-être lundi, vous allez voir les voitures qui se suivent, ils sont en train de célébrer. Ça dit, c'est quelque chose qui est tellement important. Et je veux dire aussi à quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi qui t'es marié, le mariage est tellement important. Le mariage est quelque chose de formidable. Ne prenons pas la légère. Il y a des gens qui disent, bon, si tel est le cas, remettez ma dot. L'histoire est finie, remettez ma dot. Non, 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 non. Le mariage est très sacré. Lorsque tu t'engages, toi qui n'étais pas encore engagé, bientôt tu vas t'engager. Et je suis convaincu de cela. Je vais déjà dire à une sœur qui est encore célibataire, je suis en train de préparer mon costume pour venir à ton mariage accompagné de ma femme. Nous allons venir. Donc très bientôt, même si ça serait décembre ou l'année prochaine, parce qu'avec ces histoires de confinement, nous devons être sûrs que tout est passé. Et au moment du mariage, ne manque pas de nous lancer l'invitation. Nous allons venir pour célébrer avec toi, pour te dire combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon. Et ils ont passé cet engagement, mais ils devaient officialiser, arriver maintenant à l'étape. Et j'avais dit aussi, frères et sœurs, un père, c'est un géniteur. Ma sœur, mon frère, si ton père est encore en vie, tu dois faire une chose. L'aimer. Parce que c'est ton géniteur. C'est vrai, il y a aussi des parents qui ont tapé un peu à côté, qui ont fait des choses. Mais regarde seulement l'amour. Parce que c'est lui, le géniteur. Le père, c'est un protecteur. C'est pourquoi au niveau de la famille, un papa ne doit jamais fuir sa responsabilité. En tant que père, ne fuis pas la responsabilité. Et nous voyons bien aimé combien nous retrouvons des femmes seules. Qui élèvent seuls leurs enfants parce que le mari n'en peut plus. Il fuit la responsabilité. Parce que les enfants aiment bien s'habiller en Nike ou en ceci ou en cela. Ils fuient la responsabilité. Ils abandonnent. Ils vont se caser quelque part. Non, ce n'est pas bon. Apprends à supporter la charge. Apprends à supporter. Apprends, dis-toi en toi-même que Dieu qui m'a créé homme, et je suis un père, j'ai le devoir de pouvoir
veiller sur mes enfants. Et le Dieu qui t'a donné ces enfants, qui t'a donné cette femme, te donnera aussi la possibilité de pouvoir les élever, les nourrir, les chérir. C'est très important. Et des fois dans la vie, nous faisons face à des difficultés dans la prise de décision. Vous savez, c'est difficile de prendre une décision. Et j'ai toujours dit, un choix qui ne coûte pas cher n'est pas un bon choix. Vous allez remarquer même que lorsque tu vas au marché ou tu vas acheter les habits, tu vas trouver 4 ou 5, mais tu as besoin seulement par exemple d'une chemise, tu as peut-être d'une blouse, mais tu en as 5. Mais tu dois faire un choix parce que l'argent que tu as ne pourra qu'acheter qu'une seule blouse. Et tu verras que ça va te prendre du temps. Après, tu vas te dire, parmi les 5, voici celle-ci qui est la meilleure. Et ton choix que tu fais par rapport à ta vie doit être réfléchi. Parce que ça oriente ta vie. Ça oriente ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'avais encore dit, quand l'ange vient saluer, il dit Joseph, fils de David. Parce que Dieu qui a fait la promesse, il a dit, David, dans ta lignée, je ferai ressortir un rejeton. Je ferai ressortir un roi. Je ferai ressortir un rejeton. Et cela a pris du temps. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe le temps, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira toujours. Ça s'accomplira toujours. Si Dieu t'a promis quelque chose, ça va se réaliser. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Ne sois pas pressé. Ne force pas Dieu. Marche seulement avec Dieu. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Si Dieu t'a promis la grandeur, ma soeur, mon frère, cela arrivera. Je dis la vérité, cela arrivera. La grandeur arrivera dans ta vie. Car Dieu qui a fait la promesse, il n'est pas un homme. L'homme peut passer. Vous savez, moi je peux te promettre en disant, ma soeur, mon frère, si tu passes, je peux te donner, par exemple, 100 livres. Mais peut y arriver qu'au moment où tu arrives, j'ai un souci. Je te dis, en tout cas, excuse-moi, je ne pourrai plus réaliser. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, mais il y a eu des imprévus. Mais chez Dieu, il n'y a jamais d'imprévu. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Ne te dérange pas par rapport à cela. Même dans ton sommeil, Dieu est venu auprès de Joseph, non pas pendant qu'il était debout, mais dans son sommeil, Dieu est venu. Et toi, par exemple, tu es là, ma soeur, à un moment donné, tu n'arrives plus à avoir des songes. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que cela revienne. Vous savez, dans la vie, nos rêves, des fois, nous inspirent. C'est-à-dire, tu es en train de rêver, tu rêves de bonnes choses. Tu verras que ta vie sera motivée par rapport aux rêves. Tu t'es retrouvé, par exemple, que tu as un projet, mais tu as vu que ce projet s'est réalisé. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas te réveiller. Tu auras cet enthousiasme-là de dire, oui, ça va marcher. Non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu as rêvé. Bien-aimé, ne néglige pas tes rêves. Je parle à quelqu'un, ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes songes. C'est que Dieu te montre. Ces choses vont se réaliser. Je vous ai parlé de mon témoignage. C'était depuis entre les années 96 et 2000. Le Seigneur m'a montré dans une vision. J'étais en train de marcher dans un lieu, la moquette était vraiment en rouge et bordeaux. Et le jour où je me suis retrouvé à Paris Charles de Gaulle, je prenais mon avion pour rentrer à Birmingham. C'est alors que Dieu a ouvert mes yeux pour regarder un peu la moquette, comment c'était bon. Et j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu as fait la promesse et tu l'as réalisée. Et je veux dire aussi à quelqu'un, ne néglige pas tes rêves. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Tôt ou tard, tu ne mourras pas, tu vivras ces choses-là. Aie confiance en Dieu, garde ta sérénité, garde ta confiance en Dieu, car c'est lui qui a fait la promesse. Il est le Dieu qui est fidèle, il le fera pour toi. Marie s'est retrouvée enceinte, sans relation sexuelle. Par la vertu, bien aimé, si nous essayons d'analyser cela, je ne serai pas un peu entré en profondeur parce que nous sommes live. Mais bien aimé, comment expliquer? Nous savons tous, pour que quelqu'un, une femme, soit enceinte, doit entrer en relation avec un homme. Et c'est à partir de la fécondation de l'œuf que la femme peut être enceinte. Mais voilà que cette femme,
qui était, un, vierge, deux, qui n'a jamais connu d'homme, peut devenir enceinte. Dieu est capable de briser la loi naturelle pour faire ce qui est surnaturel. Je veux dire à quelqu'un, nous ne nous attendons pas seulement à un Dieu qui fait des choses de la manière dont nous voyons. Mais Dieu est capable de outrepasser les lois de la nature pour attirer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est bien aimé, nous savons ce qui est formel, c'est quoi? Si je veux acheter par exemple une maison, je dois travailler, je dois faire ceci. C'est un peu un acheminement. Mais Dieu peut te dire, à cause de ta fidélité, à cause de mon amour, Dieu touche le cœur de quelqu'un, il vient t'offrir quelque chose dont tu n'attendais pas. Bien aimé, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Vous savez, des fois, la philosophie, l'intelligence empêche à ce que Dieu puisse se manifester. Amen. Nous sommes devenus tellement carrés pour dire que pour avoir ceci, il faut la sueur de mon front. Pour avoir ceci, je dois faire cela. Mais c'est que nous ne comprenons pas aussi que Dieu est capable de faire toutes choses. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il peut créer les circonstances. Amen. C'est vrai, il y a des gens qui disent, oui, la manne ne tombe pas. Oui, je suis d'accord que la manne ne tombe pas. Mais les miracles existent toujours. Le miracle, bien aimé, le miracle, ce n'est pas seulement la manne. Le miracle, c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Ce que l'homme n'a pas encore vu, ce qu'un homme ne peut pas faire pour toi, Dieu peut le faire. Il va rencontrer une femme vierge. Il dit, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a couvert Marie. Et Marie est devenue enceinte. Une femme vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme. Sœur, mon frère, Dieu a besoin de la pureté de nos pensées. Il veut se servir de toi, mais lorsque nous réfléchissons trop, nous allons dire non, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Il y a une formule. Dieu nous bénit toujours par ses moyens. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Dieu n'est pas un garçon de course. On ne commande pas Dieu. Mais Dieu est notre Père. Il sait ce qu'il fait au temps convenable. Au temps convenable. Vous savez, avec cette pandémie, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont partis. Mais il y a des gens aussi qui sont guéris. Les gens qui sont partis, dans la souveraineté de Dieu, Dieu les a rappelés. Il y a des gens pour lesquels on a prié. Mais Dieu a jugé autrement, qui sont partis. Mais il y a des gens aussi pour lesquels on a prié. Je me rappelle d'une sœur à Paris. On a eu à prier pour elle. Cette sœur est restaurée et guérie. C'est pour dire que ne limitons pas Dieu. Dieu à sa manière d'agir. Dieu a sa manière de faire. Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge. Regardez, Marie était encore vierge. Dieu s'est manifesté. Élisabeth était déjà avancée en âge, mais Dieu s'est manifesté. Est-ce que vous remarquez, vous comprenez cela? Élisabeth a eu comme fils Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit, parmi les prophètes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle, lorsqu'on élève Jean-Baptiste, on voit aussi sa maman Élisabeth qui a obéi, mais qui a vu aussi qu'il y a eu un prophète. Mais pourquoi on n'a pas parlé des mamans d'autres personnes, mais on a parlé des mamans de Jean-Baptiste? Vous comprenez? Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait là où il t'amène. Laisse-toi seulement entre ses mains. Il sait ce qu'il va faire. Je ne pourrais pas t'expliquer un miracle. Parce qu'un miracle expliqué n'est plus un miracle. Un miracle, tout ce qui dépasse l'entendement humain. Ce que je ne prévoyais pas. Ce que je ne calculais pas. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi, mon frère, ma soeur. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Jacques Joseph. Oh, père adoptif. Joseph, ma soeur, mon frère. Quelle serait, mon frère particulièrement, quelle serait ta réaction lorsque la personne que tu aimes fait ce que tu es? Ma soeur, quelle serait ta réaction lorsque quelqu'un que tu aimes est en train de faire ce que tu n'aimes pas? Vous savez, nous sommes tous des humains. Il y a une manière de réagir. Il y a d'autres qui peuvent réagir brutalement. Il n'est pas païen. Bien-aimé, il y a certaines natures qui nous sont encore là. La nature humaine, bien-aimé, reste encore. Il y a certaines choses, pas dans le mauvais sens, mais il y a des gens qui réagissent, qui sont impulsifs, de par leur nature. Il y a des gens qui sont des sanguins.
bien-aimés, de par leur nature. Mais ils ont Christ, mais il y a aussi leur nature. C'est pourquoi chacun de nous manifeste une nature spécifique par rapport à une situation donnée. Joseph, lorsqu'elle a remarqué que sa femme était enceinte, elle a dit non, ce que je dois faire, me débarrasser. Parce que d'autres personnes, imaginez un peu que tu es là, je m'imagine moi-même, pas quelqu'un d'autre, je m'imagine moi-même, au moment de fiancer avec ma femme, elle me dit, elle est enceinte. Alors, la première réaction, je vais dire, elle est moins sérieuse. C'est ce que les gens disent aussi des fois. Les frères et sœurs de l'église, ils sont moins sérieux. Ce sont des gens qui s'emballent, des gens qui font ceci. Frères et sœurs, on ne peut pas qualifier quelqu'un, l'église, à cause d'un échantillon. Car Dieu a encore des gens, Dieu a encore des hommes et des femmes qui sont encore fidèles. C'est pourquoi nous avons fait l'étude. Ça, je suis en train de rappeler seulement ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons un peu étudié l'histoire, la réaction de Joseph. Et nous avons dit, lorsque nous voyons au verset 19, la Bible dit, Joseph, nous sommes au verset 19, hein, Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Vous rendez compte? Un homme de bien qui a subi une injustice, qui n'a pas touché sa femme, mais sa femme se tombe enceinte. Vous comprenez? Cela veut dire, on peut être juste devant Dieu, mais il peut y avoir aussi des situations contraires qui peuvent arriver. Quand une situation arrive, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Quand une situation se déclenche, cela ne veut pas dire que tu as péché. Tu peux être juste et connaître aussi des problèmes. Un homme de bien, un homme craignant Dieu, mais il a connu un problème. Sa fiancée est devenue enceinte. Vous comprenez? Et la Bible continue en disant, un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer. Qui ne voulait pas la diffamer. Quelle réaction, quelle attitude ne voulait pas? Parce que la première des choses, nous avons parlé, Joseph a réfléchi profondément. Une parenthèse, frères et sœurs. Je vais vous dire la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une vie facile. Mais c'est aussi une vie facile. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que le révérend Samuel veut dire par là? Il veut simplement dire que la vie spirituelle, la vie de la sainteté, de la sanctification, la Bible nous dit, quand quelqu'un veut bâtir sa maison, il doit d'abord s'asseoir, réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y aura des circonstances, il y aura des choses qui vont arriver. C'est pourquoi c'est important de pouvoir réfléchir comment tu vas bâtir ta vie. Et elle sera rendue simple et facile lorsque tu te dis, je ne pourrai pas par moi-même. Je laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui va m'aider à arriver là où je dois arriver. La vie chrétienne deviendra facile. Parce que là, tu ne comptes plus sur tes propres capacités. Il y a des gens qui forcent la nature. Il y a des gens qui forcent être saints. Il y a des gens qui forcent être propres devant Dieu. Bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Lorsque nous nous sommes convertis, il y avait un groupe de jeunes, on était là, zélés. Il y a de ceux qui s'abandonnaient entre les mains du Seigneur, mais il y a de ceux qui voulaient impressionner, qui voulaient montrer aux gens qu'ils étaient des saints. Vous savez ce qui s'est passé juste après? Tous ceux qu'ils ont laissés, les a rattrapés. Ils sont rentrés dans le monde, il y a ceux qui ne sont jamais revenus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la chrétienté, c'est la religion. Non, la chrétienté, ce n'est pas la religion. La religion, c'est un ensemble de mécanismes que l'homme met en place pour atteindre Dieu. Alors que la chrétienté, c'est une vie. Jésus-Christ vient te donner quelque chose d'une manière gratuite. Il suffit seulement d'ouvrir ta porte et lui-même maintenant prendra soin de toi. C'est ça la différence. Joseph n'a pas réagi du coup. Il avait la considération, malgré cela, il avait la considération de Marie. C'est pourquoi nous avons dit, ma soeur, mon frère, peu importe ce que quelqu'un peut faire contre toi, n'aie pas l'habitude de perdre la considération directement. N'ayez pas l'habitude de qualifier la personne directement pour dire non, en tout cas, de la manière cette personne a réagi, en tout cas, je la déclasse, je la calcule plus. Non, ne faisons pas cela. Il y a des erreurs qui arrivent dans la vie. Chacun de nous, ma soeur, même moi, je suis aussi faillible. Même toi, tu l'es aussi. Alors, ce qui nous rend fort, c'est lorsque nous comprenons
que nous puissions nous supporter les uns les autres. Mm. Ma faiblesse à moi est la force de ma femme. Mm. La faiblesse de ma femme, c'est ma force. La faiblesse de ma vie, peut-être dans le ministère, ça peut être la force d'un ancien, la force d'une diaconesse qui peuvent être là pour secourir. C'est pourquoi l'Église, en tant que pasteur, tu ne peux pas tout faire. Je ne peux pas prêcher, chanter, je ne peux pas jouer au tam-tam, je ne peux pas aller prendre les offrandes. Non, c'est pourquoi dans l'Église, les pasteurs et les idoles, il y a des musiciens qui sont là, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des gens qui sont là pour aider afin que l'œuvre avance. Et en cela, bien aimé, dans la société, il y a toujours différents tempéraments. Chacun de nous vit avec son tempérament. Mais lorsqu'on arrive à comprendre que celui-ci est par exemple impulsif, ce que je dois faire avec lui, je dois être doux. Ce n'est pas un signe de faiblesse, sauf que je comprends sa nature et je dois l'aider maintenant à se relever. C'est comme ça qu'on marche dans la vie. Et la Bible dit, il n'a pas voulu être diffamé. Combien dans nos églises, actuellement, quand quelqu'un fait quelque chose dans l'église, ce sont les frères et sœurs de l'église qui vont raconter des choses au dehors, qui appellent même les non-croyants pour leur dire, écoutez, dans notre église, il y a des choses qui se passent. Dans notre église, il y a des situations bizarres. Dans notre église, je ne vois pas clair notre pasteur. Tu vas dire cela à qui? À un non-croyant. Imagine maintenant que lorsque tu découvriras que ce n'était pas la vérité, maintenant tu veux inviter le non-croyant à venir à l'église. Il ne viendra pas parce que toi, tu as déjà diffamé ton pasteur. Tu as déjà diffamé ta soeur ou ton frère de l'église. Raison pour laquelle nous devons faire très attention. Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Et Joseph, il a réagi d'une manière différente. C'est important dans la vie de pouvoir réagir d'une manière différente. Mm. Quand tu rencontres un escroc, tout le monde n'est pas escroc. Mm. Quand tu rencontres un homme qui trompe, tous les hommes ne trompent pas. Mm. Quand tu rencontres une femme qui triche, toutes les femmes ne trichent pas. Mm. Ne trichent pas. Il y a des hommes sérieux, il y a des femmes sérieuses. Mm. C'était peut-être une mauvaise expérience. Mais continue, marche dans ta vie. Marche dans la vie, c'est important. Et nous avons dit encore, Joseph était prêt à protéger la réputation, protéger, garder la réputation. Peu importe ce qui se passe, apprenons à nous protéger mutuellement. Amen. Apprenons cela, à nous protéger mutuellement. Amen. C'est important. Protège-toi, protège ta femme, protège ton frère, protège ta soeur, membre de ta famille, protège. Parce que vous savez, lorsque dans une famille, il y a des prostituées, ton appellation, on va commencer à te qualifier en disant, c'est le frère de la prostituée. Raison pour laquelle on doit apprendre à protéger aussi notre famille. C'est important. N'exhibe pas ta famille, n'exhibe pas les faiblesses de ta femme, de ton mari. Essaie de couvrir. Comme maman poule qui couvre le poussin pendant qu'il y a la pluie. Dieu nous bénisse abondamment. Joseph voulait donner à Marie une future opportunité. Cela veut dire que Joseph voulait que même si après ça ne marchait pas, que Marie ait aussi un avenir. C'est ce que nous devons aussi adopter comme attitude. Donner aussi l'opportunité à quelqu'un. Si ça n'a pas marché avec toi, laisse-le. Je ne parle pas seulement du mariage, même dans les business, ça n'a pas marché. Laisse-le. Donne-lui l'opportunité. Ne le maudis pas. Ne le maudis pas. Parce qu'il a aussi une vie à faire. Et ça, c'est très important. Joseph, nous avons dit, a voulu aussi donner de l'avenir à l'enfant Jésus. Parce que l'ange a dit, c'est toi qui vas nommer cet enfant. Donne cette responsabilité. C'est pourquoi j'ai dit, Joseph est père adoptif. C'est important de comprendre, ma soeur, mon frère. La Bible ne cache rien. La Bible révèle tout. Parlons un peu de l'histoire. Juste un briefing. Je vais parler en disant ceci. Aujourd'hui, les Juifs se réclament d'Abraham. Mais lorsque nous suivons l'histoire, Abraham a quitté l'île des Chaldées en Mésopotamie, qui est actuellement à la frontière à côté de l'Irak. Et c'est, au fait, tous les Juifs sont des descendants. Si nous suivons la logique, sont des descendants des Irakiens. Amen. Et à partir de cela, ils se sont multipliés. Jusqu'à ce que Dieu, au moment du déluge, il a effacé la terre et Noé a commencé encore avec ses enfants la reproduction.
Alors, à partir de là, nous allons comprendre, si vous lisez l'histoire, que Jésus-Christ, ça je vais un peu anticiper, je vais revenir dans... Jésus-Christ, lorsqu'il est né, on l'a amené en Égypte. Et la Bible nous parle en disant ceci, que Joseph et Marie étaient dans la lignée des Lévites. Et pour être Lévite, tu devais être des souches pures juifs. Et là, ça enlève un peu l'équivoque par rapport aux extrapolations des hommes et des femmes qui disent autre chose que la Bible n'a pas dit. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons dit, Joseph, aujourd'hui, j'entre maintenant dans mon message, nous allons terminer cela par la grâce de Dieu. Joseph était ouvert à la direction divine. Parce qu'il pouvait se dire en lui-même, vous savez, par rapport à la direction divine, on doit comprendre une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux accepter tout comme refuser. Dieu ne nous impose plus. Mais Dieu parle. C'est à nous d'accepter tout comme de refuser. C'est pourquoi il a placé au devant de nous deux chemins. Deutéronome 29, verset 31. Chemin de la vie et de la mort. Et il nous conseille de choisir la vie. Et Joseph aussi avait un choix. De dire non, moi je n'accepte pas. Étant donné que ma femme est enceinte d'une autre personne, j'ai respecté tous les principes, je refuse. Il était libre. Vous comprenez? Donc dans la vie, chacun de nous est libre de faire un choix. Amen. Tu peux être là, tu as fait un choix d'arrêter l'alcoolisme. Mais dans ton choix, c'était entre continuer ou arrêter. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui continuent encore à boire. C'est leur choix. Parce que dans la vie, bien aimé, tout commence par la détermination. Moi, j'ai fait un choix en suivre Jésus. Et depuis que je me suis converti, jusqu'à ce que je ne suis jamais rentré dans le monde. Jamais rentré dans le monde. Pourquoi? J'avais fait un choix. Et j'ai accepté de marcher tel quel. C'est pareil aussi avec toi. Mais lorsque nous marchons dans la direction de Dieu, lorsque tu acceptes que Dieu puisse diriger ta vie, il y a une première chose que nous devons retenir. C'est que l'ange a donné d'abord l'assurance à Joseph pour lui dire, non, n'aie pas peur de prendre ta femme. Quand Dieu veut te diriger, il te donne aussi l'assurance pour te dire, ce que tu es en train de faire, je suis avec toi. Dans la Bible, ne crains rien et répétez 365 fois. En d'autres termes, Dieu, chaque matin, il te dit, ne crains pas, ne crains rien. Dans diverses façons, il emploie divers verbes, mais qui veut simplement te dire, sois sans crainte. Parce qu'il est le Dieu qui fait quelque chose dans ta vie. Il dit à Joseph, il dit, l'ange lui apparaît en songe, il dit, Joseph, fils de, ne crains pas de prendre Marie. Ne crains pas. Il a reçu l'assurance de l'ange pour lui dire, non, cela ne vient pas d'un homme. Cela vient de Dieu. Tu es descendant de Lévite. Tu connais ce que c'est la parole de Dieu. Tu connais ce que les Écritures ont déclaré. Mais Dieu t'a fait grâce d'être père adoptif. C'est pour dire aux frères et sœurs qu'il y a certaines choses dans la vie, tu ne pourras pas commencer. Mais dans le chemin, Dieu peut te greffer pour que tu deviennes auteur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis ceci. Dans la vie, il peut y avoir des choses que toi, tu n'es pas géniteur. Que tu n'es pas celui qui a commencé. Mais comme Dieu veut te diriger pour ta destinée, il peut te greffer quelque part et il dit que c'est toi qui sortiras comme initiateur de ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, il y a eu un problème. Les Juifs, ils considéraient Jésus comme le fils du charpentier. Ils considéraient Jésus comme le fils du charpentier. Parce qu'ils savaient que c'était lui le père. Mais Marie et Joseph connaissaient les secrets. Ils savaient que Jésus-Christ est venu par la vertu du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère,
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses dans la vie, tu ne commenceras pas cela. Il y a certaines choses, frères et sœurs, qui arriveront au chemin faisant. C'est pourquoi ne te décourage pas. Dieu te donne l'assurance ce soir pour te dire, ne crains rien. Après des choses, il y aura, même si tu n'as pas commencé, Dieu peut te faire entrer. J'ai vu des frères et sœurs, j'ai vu un frère à moi qui s'est marié avec une femme qui avait déjà des enfants. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a pris soin de ses enfants comme les siens. Et après un moment donné, Dieu a ouvert les talents dans la vie d'un des enfants qui a vraiment explosé. Et la première des choses, cet enfant, c'était une fille. Ce qu'elle a fait, c'est d'acheter d'abord une voiture pour son père adoptif. Il dit, toi, tu n'es pas mon père adoptif, mais tu es mon père. Parce que c'est toi qui m'a aidé. C'est toi qui m'a élevé. C'est pour dire, lorsque tu prends soin de la chose d'autrui, Dieu te payera. Dieu veillera sur toi. Dieu te récompensera. Peu importe les circonstances, Dieu est le Dieu qui récompense. Vous comprenez? Joseph, il avait l'assurance. L'ange lui a dit, ne crains pas. Ta femme Marie n'a pas déconné. Ta femme Marie n'a pas fait ce qui est honteuse. Mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Mais toi, tu seras père adoptif. Toi, c'est toi, je te donne l'occasion maintenant de donner même le nom. Et je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu est le Dieu qui croit en toi. Et il te dit, ne crains rien. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur des situations. Parce qu'il est là pour toi. Il est là pour te sécuriser. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie. Et ma Bible à moi me dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est pourquoi j'aime bien la chanson qui dit, oh, 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 il fera. Comprenez? Mais ce n'est plus le futur. Mais moi, je chante, il fait. C'est-à-dire, il fait maintenant. Il commence avec toi. Quand l'ange a rassuré Joseph, la deuxième des choses, l'ange l'a guidé. L'ange l'a orienté pour lui dire, nous sommes toujours au verset 20e, ne crains pas de prendre ta femme Marie avec toi, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il a orienté, il a guidé pour dire, ne crains pas. Bien aimé dans la vie, lorsque tu es avec quelqu'un, vous êtes dans une situation difficile et la personne te dit carrément, ne crains pas. Quelle serait ta réaction? C'est de dire, sûrement, elle a une solution pour moi. Elle a une solution. Elle a une connaissance que moi, je n'ai pas. Même Dieu, lorsque Moïse était avec le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge, quelque chose s'est passé. Il a dit, ne crains pas. Gardez le silence. Et vous verrez ce que l'Éternel va accomplir. Et tout le peuple maintenant avait les yeux fixés sur Moïse. Bien, mais lorsque Dieu te rassure, sache qu'il va te guider. Il va t'orienter. Tu as besoin de l'orientation. Tu as besoin que Dieu puisse te guider. Tu as besoin que Dieu puisse te guider. C'est important dans la vie. C'est important de rester, d'écouter Dieu, d'avoir l'assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Je parle à quelqu'un. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera. Qu'il pleuve, qu'il neige, il le fera. Amen. Je vous dis, il le fera. Après ce confinement, la promesse de Dieu n'est pas confinée. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu n'est pas confinée. La promesse de Dieu, elle est intrinsèque. Elle est au-dessus du confinement. Et attend que les choses se terminent et la bénédiction puisse arriver. Mm-hmm. Dieu est le Dieu qui est vivant. Il va te guider. Un jour, il y avait un homme. Cet homme souffrait. C'est un clochard. Il connaissait des situations difficiles. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne savait pas, que sur sa hanche, il y avait une ceinture, c'était comme un fil, mais tout autour, il y avait des billets de $100, de $100, tout attaché. Mais il ne savait pas, jusqu'à ce qu'un jour,
tellement il y avait la souffrance. Il s'est dit en lui-même, laisse-moi un peu vérifier la ceinture. Et lorsqu'il retrouve la ceinture, il verra qu'il y avait des billets de 100 dollars, des 100 dollars entourés. Et cela contournait toute sa hanche. Et ce jour-là, il y a eu un changement. Bien-aimé, lorsque Dieu te guide, ça ne pourra pas être demain, ça peut être ce soir. Les choses pour lesquelles tu étais en train de chercher, ça se trouve seulement à côté de toi. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes déjà rendu compte. Il y a des fois nous prions, des fois nous cherchons. Mais un jour tu te dis, mais regarde, j'ai passé des années et pourtant la solution n'était que là. Et je prie que le Seigneur puisse te guider. Ne promets ne plus tes regards inquiets. Le Seigneur veut te guider. De la même manière qu'il a guidé Joseph, le père adoptif. Il a guidé pour lui dire, attention, je te donne l'assurance, je te donne la confiance, je vais t'orienter. Cet enfant-là vient par la vertu du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un pour lui dire, laisse que Dieu puisse te guider. Tu as besoin d'une orientation. Écoutez-moi, moi je crois au ministère prophétique. Moi je crois aux prophètes. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui peuvent dire des réalités divines. Je crois fermement. Mais moi aussi, je crois que Dieu peut faire de toi prophète ou prophétesse de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu peut se servir de toi-même pour te parler concernant toi-même. Passez-moi la tautologie. Il y a des choses, Dieu ne voudra pas révéler à d'autres personnes, mais il a besoin de t'en parler à toi-même. C'est pourquoi garde bien tes pensées. Ne faut pas avoir peur de tes rêves. Il faut croire que c'est Dieu qui te parle. Parce que des fois, Dieu vient te parler dans des rêves, dans des songes, mais tu ne crois pas. Tu dis, non, ce sont des attaques du diable. Il y a des gens même qui chassent Jésus au nom de Jésus. Vous comprenez? Ils viennent, mais ils chassent. Ils disent, non, Jésus, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Ce sont des attaques. Et pourtant, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et des fois, quand Dieu parle, ce n'est pas dans la brutalité. Quand Dieu parle, c'est dans le calme. Dans le calme. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu comme une voix là. J'ai entendu comme une voix. Bien aimé, ce n'est pas la voix seulement. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Concernant ta vie, il veut t'orienter. Il veut t'instruire. Il veut te guider. Même au moment de la prière. Nous sommes trop pressés, même dans les maisons. Je me pose la question, même pendant le confinement, quand tu pries, pourquoi tu es pressé de sortir de la prière? Toi-même, tu pries, mais c'est comme si on te chasse de la prière. Il y a même des gens, pendant qu'ils prient, ils n'ont même pas encore dit amen. Mais ils ont déjà des yeux ouverts. Ils sortent pour aller où? Tu veux aller où? Reste dans la présence de Dieu. Il a besoin de te parler. Il a besoin, oui, ma soeur, il a besoin de te parler. Mais quelqu'un me pose la question, révérend Samuel, comment ça Dieu peut me parler? Oui, Dieu parle. Dieu ne parle pas, il parle à tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Rentrons un peu à un niveau un peu plus bas. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai béni le Seigneur pour mes 4 enfants. Biologique, je vous l'ai dit. Et lorsque je parle, j'ai mes enfants, je parle à mes enfants. Et parmi les 4, ils savent que papa parle de la sorte. Et ils connaissent ma voix. Et je leur parle. Je ne peux pas passer une journée sans parler à mes enfants. Même les fils qui disent bonjour. Si moi, parent, peut-être que méchant que je suis, je peux parler à mes enfants tous les jours. A fortiori, le Dieu qui est aux cieux. Amen. Il ne parlera pas. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne te parle pas? Mais moi, je peux être ici. Je peux parler à mes enfants au téléphone. Je les appelle. Samuel, tu es où? J'appelle. Je peux appeler même par vidéo, par WhatsApp. Je le vois. Je parle avec eux. Si je suis en voyage, c'est comme ça que j'utilise. Mais aussi des fois où je viens, je les appelle, on parle. C'est comme ça aussi que Dieu peut utiliser le rêve pour te parler. Dieu peut utiliser les prophètes. Dieu peut utiliser sa parole. Le seul souci, nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Nous n'avons pas les moyens. Comment? Nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Mes enfants savent, il y a une certaine tonalité. Lorsque je les appelle, ils savent que non, ça ce n'est pas grave. Mais lorsque je hausse un peu la voix, ils se posent la question, I'm in trouble. Je suis dans les troubles. Et quand ils viennent, ils savent que je suis déjà dans les troubles. Mais des fois, je plaisante aussi. Je les appelle comme si je suis fâché. Quand ils viennent, je commence à rire. Oh, ils me disent, mais toi, Daddy, pourquoi tu peux faire ça? On croyait qu'on était dans les troubles. Pourquoi? À cause de la voix.
Bien aimé, quand tu comprends ton Dieu, comment il te parle, il va commencer à te guider. Parce que Joseph était seul dans son rêve. Il pouvait aussi refuser pour dire non, je n'accepte pas. Cela vient du diable. Comment Dieu peut engrosser, si on parle dans un langage, comment Dieu peut engrosser ma femme? Et il vient encore me parler pour me préparer à accepter ce qu'il a pu faire. Mais Dieu était avec lui. Et quand il s'est réveillé, il a su que c'était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un dans la sacrificature et il connaissait comment Dieu parle. Il faut connaître comment Dieu te parle, ma soeur, mon frère. Mm. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Mm. Beaucoup de choses. Il y a des gens, des fois, ils prennent la Bible, ils ouvrent la Bible, pouf, la Bible, quand la Bible tombe, elle s'ouvre, elle prend la page et dit, Dieu me parle. Eh bien, mais il ne faut pas seulement t'arrêter à cela, à faire, c'est comme si tu es en train de faire un jeu de hasard. Non, il faut savoir comment Dieu te parle. Dieu peut te parler par des songes, par des rêves. Dieu peut te parler en lisant la Bible. Dieu peut te parler aussi par des paroles prophétiques. Et c'est pourquoi toi aussi, tu as la mission de pouvoir t'élever et parler bien par rapport à ta vie, de pouvoir t'élever et pouvoir changer les choses. Et raison pour laquelle tu as besoin que Dieu puisse t'orienter. Mm-hmm. Tu as besoin que Dieu puisse te guider. Dieu a guidé Joseph. Parce que c'était lui qui est le commencement de toutes choses. Dieu aussi, c'est lui qui commence toutes les choses avec toi. Et c'est lui qui va aussi parachever. Raison pour laquelle, reste attaché à Dieu. Quand Dieu te parle d'une chose, crois que c'est Dieu. Attache-toi. Il va te montrer encore du chemin. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Il y a certaines choses dans la vie que Dieu ne te révélera pas du coup. Mais au fur et à mesure que tu continues à marcher avec lui, il va commencer à te révéler certaines choses. Amen. Parce que le monde des secrets appartient à Dieu. Mm-hmm. Il y a des choses qu'il ne pourra pas te révéler aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a des choses 20 ans en arrière, Dieu ne pouvait pas me les révéler. Peut-être compte tenu de mon immaturité, compte tenu aussi de mon âge. Au fur et à mesure que je grandis avec Dieu, Amen. Dieu aussi renouvelle une confiance en disant maintenant, je suis en train de voir combien il est en train de grandir. Mm-hmm. Il commence, bien aimé, on confie de grandes responsabilités, non pas à un bébé, mais à un adulte. Mm. À un adulte, quand pas un adulte, on ne voit pas seulement l'âge avancé, mais on parle de la maturité. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu auprès de Joseph, parce que Joseph avait aussi la maturité. Mm. Lorsque tu as la maturité avec Dieu, Dieu va te guider. Mm. Tu as besoin d'une orientation de Dieu, Dieu te parle maintenant. Mm. Dieu te parle maintenant en te disant, crois que c'est lui. Et deuxièmement, je veux te guider, je veux t'orienter. Mais la troisième des choses, l'ange a expliqué à Joseph la situation difficile. Vous comprenez? L'ange lui-même vient dire, l'enfant qui est là, c'est en vertu du Saint-Esprit. Donc, une situation difficile qui reçoit la réponse pour dire qu'il n'y a aucune situation pour laquelle Dieu ne pourra pas donner la réponse. Mm-hmm. Même s'il en est l'auteur, Dieu donnera la réponse. Mm-hmm. Même si Dieu a envoyé un fléau contre ta famille, Dieu va te dire que c'est moi. Mm-hmm. Parce qu'il n'a pas peur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur. S'il sait que ça vient de lui, il le dira que ces choses sont venues parce que moi j'étais frappé. Quel est ce Dieu bon qui frappe et qui parle, et qui nous donne aussi les moyens de s'en sortir. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'ange l'a expliqué. Quelle situation. Ouf. Un homme comme Joseph. Je pense que après, lorsque nous allons prier, nous aurons des Joseph et des Joséphines. Des gens qui, dans la situation difficile, Dieu va leur expliquer. Ils vont comprendre que c'est Dieu qui marche avec eux. Mm. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce que ta situation difficile, Dieu lui-même viendra. Oh, quel Dieu! Un Dieu qui peut venir expliquer. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Dieu est venu l'expliquer pour lui dire que je vais te reprendre. Il va expliquer aussi à sa femme que Dieu veut me reprendre. Une situation difficile, mais Dieu a expliqué que je veux te reprendre. Ma soeur, mon frère, si Dieu peut expliquer des situations difficiles te concernant
A fortiori, un problème qui vient du diable. Est-ce que Dieu resterait calme? Dieu ne peut pas rester calme. Parce que toi, tu as du prix à ses yeux. Dieu ne peut pas rester calme. Dieu doit te parler. Il doit te prévenir. D'une manière ou d'une autre. Il a expliqué. Écoute, nous, je sais que c'est ta femme. Mais le problème, c'est qu'elle a été choisie. C'est ça le problème. Elle a été choisie. Le problème, c'est que tu connais les situations difficiles parce que ta destinée est plus grande. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ma soeur, mon frère, si tu veux seulement fuir, c'est ton problème. Mais je vais te dire, c'est déjà trop tard. Ta destinée est tellement grande que Dieu t'a déjà pointé du doigt. Il y aura des choses, c'est pourquoi? Il y a des choses difficiles qui t'arrivent. Je te pose la question, pourquoi moi? Oh, mais à cause de ta destinée. À cause de ce que Dieu doit faire. Quelle responsabilité d'avoir Jésus-Christ en nous. Quelle responsabilité? Est-ce que vous savez cela? Quelle responsabilité? Que Jésus-Christ soit en nous. Nous avons une responsabilité. Gloire soit rendue à Dieu. Ta situation difficile, Dieu va t'expliquer. Dieu ne restera pas calme. Tu te poses la question, pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a une réponse pour toi. Il va t'expliquer. Il y a des gens qui aiment poser la question à Dieu, pourquoi, pourquoi? Ce soir, pose la question à ton Dieu, pourquoi? Il va t'expliquer. Et lorsqu'il t'explique, aie aussi le courage de dire, Seigneur, merci, j'accepte. Parce qu'il y a des gens, lorsque Dieu les explique, ils commencent à prendre des prétextes pour dire, non, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, oui, tu m'as répondu, mais pourquoi tu avais seulement choisi? Marie aussi pouvait le dire, mais Marie a accepté. Il y a des choses, lorsque Dieu te choisit, t'appelle, il y a des circonstances, ma soeur, mon frère. Il y a des chemins que toi, tu passeras. Quelqu'un d'autre ne passera pas par là. Il y a des choses que tu connaîtras dans la vie. D'autres ne connaîtront pas cela. Vous savez pourquoi? Parce que ta destinée... Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais révérend Samuel, tu es tout le temps en train de parler de la destinée. Oui, parce que la destinée, c'est quoi? Destinée, destin vient de scopos. Scopos veut dire un plan, un projet que l'Éternel a. Un objectif que Dieu est en train de poursuivre dans notre vie. Alors, quand Dieu est en train de poursuivre quelque chose, il n'est pas un Dieu qui amène un Dieu de produits semi-finis, mais c'est un Dieu de produits finis. C'est pourquoi, lorsqu'il donne la promesse et le temps d'accomplissement, il y a un moment, le vide, là, Dieu reste calme. C'est dans ce moment-là dont tu as besoin de l'assurance. Pour croire, celui qui a fait la promesse va l'accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, le chemin de Joseph, bien qu'ignoré, mais Joseph, c'est un modèle. C'est un modèle de subir un tel choc, mais il est resté serein. Frères et sœurs, malgré le choc de la vie, tu es Joséphine, tu es Joseph. Reste serein par rapport à ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Reste serein, attaché à Dieu. Il sait là où il va t'amener. Et quand Dieu a expliqué la situation difficile, l'ange lui a révélé l'identité de l'enfant. Ce n'était pas parce que lui-même il a accepté, mais l'ange l'a relevé l'identité. Lisons toujours, nous sommes toujours au verset 20. Et il dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et verset 21e, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il n'a pas dit que moi je vais donner, mais je te donne la responsabilité. Comme tu as réussi à toutes les étapes, je te donne maintenant la responsabilité. Je te révèle l'identité de l'enfant. Bien aimé, ce soir, Dieu va révéler à quelqu'un sa vraie identité. Qui es-tu? Comment Dieu te voit? Quel est le nom que Dieu t'appelle? Oh, gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé, chacun de nous, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi c'est mon cas. Chacun de nous, quand tu étais enfant, il y avait un nom, une appellation qui est contraire à l'appellation actuelle que tu as ou le prénom que tu as. On t'appelait par exemple Cassius Clay. Un exemple, Cassius Clay. Et maintenant, tu as un autre nom, tu as le nom de Samuel. Mais lorsque quelqu'un t'appelle Cassius Clay, ça te ramène directement pour dire la personne connaît mon enfance. Que j'étais Cassius Clay. Il y a des noms bien-aimés que Dieu seul sait
le nom qu'il peut t'appeler. Amen. Lorsque tu découvriras ton identité, lorsque tu découvriras qui tu es, il y aura un nom que Dieu va commencer à t'appeler. Les autres ne connaîtront pas cela. Lorsque tu entreras dans la présence de Dieu, je me présente, Seigneur, comme Cassius Clay. Il sait que Cassius, qui est Cassius Clay. Amen. Alléluia. Connaître ton identité. Connaître qui tu es. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ habite en toi. Joseph n'était pas n'importe qui. C'était lui qui a vu, qui a reçu les noms de Jésus. Il pouvait se dire aussi, non, je ne donne pas Jésus. Je vais donner, je ne sais pas moi, il pouvait choisir le nom pour dire, je vais donner le nom de Joseph. Parce que, une réalité, ma femme a été engrossée, donc je dois donner le nom pour garder la paternité. Mais il a dit, non, je donne le nom de Jésus. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te demandera que ton identité puisse agir. Tu arriveras peut-être à l'aéroport, tu vas présenter ton identité. On va te demander ta pièce d'identité et tu la présentes. On te regarde, on regarde la photo, on te regarde, on scanne. Vous savez, lorsqu'on scanne ton passeport, automatiquement c'est ta figure qui sort. C'est pour dire, lorsque ce soir, tu comprendras ton identité, tu feras passer ton identité et tu verras réellement la vraie personnalité de ta vie. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas encore toi. Ce que tu es en train de voir avec des difficultés, ce n'est pas encore toi. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire, après les difficultés, il y aura toujours un temps de la rosée. Après les situations difficiles, il y aura toujours le temps où l'atmosphère va changer. Car il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Lui, quand il parle, il y a des choses qui arrivent. Lui, quand il déclenche, il y a des choses qui arrivent. C'est pourquoi sois sans crainte, car Dieu est en train de t'emmener dans un training, comme on dit. Il est en train de t'équiper, comme nous sommes tous dans cet assaut final. Il est en train de te révéler l'identité de l'enfant. Quand on parle de l'enfant, il est en train de te révéler ton identité, de ta destinée, de ce que tu dois accomplir. Parce que Jésus veut dire, Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Et quand il est là, il y a des choses qui changent. Quand il marche avec toi, il y a des choses qui changent. Tu ne promènes pas des regards inquiets. Ne te pose pas de questions. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il veut que tu deviennes Joseph ou Joséphine de quelqu'un. Cela veut dire que Jésus est né. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, présentement, qui attendent que toi tu puisses les appeler. Ils attendent que toi tu puisses leur donner le nom. Ils attendent que, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que le nom détermine la destinée d'une personne. Il y a des gens actuellement, frères et sœurs, qui attendent à être en connexion avec toi afin que leur destinée s'ouvre, afin que leur avenir soit radieux. C'est pourquoi Dieu t'a donné des paroles de bénédiction. Lorsque tu te lèves, tu regardes tes enfants, prononce des paroles de bénédiction en tant que Joseph ou Joséphine. Même si tu n'as pas encore des enfants, impose seulement ta main sur ton ventre et dis, en tant que Joséphine, je bénis le fruit de mes entrailles. Ne regarde pas aux choses difficiles parce que Dieu t'a déjà expliqué. Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Il veut exécuter quelque chose. Il entend seulement, il t'a révélé. Bien-aimé, même si tu es stérile, tu te rendras compte que dans tes rêves, tu vois que tu es maman. Cela veut dire que tu le seras. Il faut commencer maintenant à déclarer. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Tu crois avec moi et tu me donnes un amen. Bon, que amen. L'Éternel te bénisse abondamment. Car Dieu est le Dieu qui n'a jamais changé. Dieu est le Dieu qui n'a jamais changé. Et il sait. Dans la vie, bien-aimé, Dieu permettra aux gens de te repousser, de te pousser en dehors de ta destinée. Dieu permettra. Malheureusement, ces gens peuvent se trouver aussi dans l'église. Malheureusement, ces gens peuvent se trouver aussi dans l'église. Malheureusement, ces gens peuvent se retrouver aussi dans ta famille. Malheureusement, les gens peuvent se retrouver dans ta société. Mais une seule chose, Daniel 11:32 nous dit, le diable viendra par ses séductions. Mais ceux du peuple qui connaîtront les noms de l'Éternel des armées agiront avec fermeté. Reste ferme, attaché à Dieu. Ne sois pas ébranlé, ne sois pas poussé, ne sois pas bousculé par quoi que ce soit. Ta destinée est grande. Il y a des gens qui sont faits
pour te pousser en dehors de ta destinée. Il y a des circonstances qui arrivent pour te pousser en dehors de ta destinée. Joseph, le fils de Jacob, n'avait rien fait. La seule chose, c'était sa destinée. Il avait des rêves. À cause de ses rêves et de ses songes, cela a poussé Joseph à être sous-entendu, mort par ses propres frères qui l'ont jeté. C'est pourquoi ne t'étonne pas si ton frère de sang te fait du mal. Le diable peut se saisir de quelqu'un, peu importe la personne, pour que ta destinée puisse, que tu puisses connaître une fausse couche par rapport à ta destinée. Mais je viens par la puissance du Saint-Esprit dire à quelqu'un, tu n'avorteras pas ta destinée, tu n'avorteras pas, mais tu accoucheras de ta destinée d'une manière normale, qu'ils le veulent, qu'ils ne veulent pas. Jésus-Christ est avec toi, il marche avec toi, ta destinée ne ratera pas. Dis avec moi que ma destinée ne ratera pas. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Ma destinée ne ratera pas. On a pris Joseph. On a fait un semblant comme quoi il était mort. On a pris la tunique de plusieurs couleurs. Ils ont acheté du sang d'un agneau qu'ils ont tué. Ils ont présenté. Vous savez, auprès de Jacob, Joseph était mort. Mais auprès de Dieu, Joseph était encore vivant. Je vais dire à quelqu'un, les gens pensent que tu es déjà mort. Mais ceux qui ne savent pas, là où ils t'avaient jeté, dans le trou dans lequel ils t'ont mis, il n'y avait pas d'eau. Amen. C'est un trou qui n'a pas d'eau. Ce n'est pas rempli d'eau. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi une chose. Même si l'ennemi forme le projet, Dieu enverra toujours des Madianites. Les Madianites sont là pour te vendre, mais pour accomplir ta destinée. Il y a des gens qui t'ont repoussé. Il y a des gens qui ont posé trop de problèmes. Mais ceux qui ne savaient pas, c'était sur le chemin de la destinée. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. Il n'y avait personne. Si les Madianites n'étaient pas là, ses frères allaient encore venir pour les tuer. Mais une seule chose, les Madianites étaient là. Je veux dire, à un certain moment, les Madianites viennent. Les Madianites ne sont pas tes amis. Ah là 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 là, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Les Madianites ne sont pas tes amis. Amen. Les Madianites sont là pour te vendre. Je veux dire, il y a des situations qui arrivent. Il y a des maladies qui arriveront dans ta vie. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener là où les autres ne peuvent pas entrer. Amen. Afin que la gloire de l'Éternel se manifeste. Amen. Les Madianites, ma soeur, mon frère, c'est l'exemple des gens qui viennent aussi pour détruire ta destinée. Amen. Pour faire en sorte que tu ne puisses pas avoir d'enfants. Que tu ne puisses pas toucher du doigt ta destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ils serviront. La Bible dit, oh, bro, sataraba. Oh, je suis en train de... Je me calme un peu parce que les gens... Oh, je veux me calmer pour dire aussi à quelqu'un. La Bible, ma Bible à moi me dit, lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard, même les Madianites, même les gens qui sont méchants contre toi, ils serviront de gloire. Ils serviront de gloire. Ils t'aideront à pouvoir entrer dans ta destinée. Laisse-moi te dire, je vais encore aller plus loin. Même les sorciers t'aideront à entrer dans ta destinée. Amen. Parce que Dieu peut se servir des sorciers pour amener la gloire de l'Éternel. Lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il s'élève contre toi, c'est en ce moment-là que la gloire de l'Éternel descendra sur toi. Oh, malheur aux sorciers qui t'attaquent. Malheur aux gens qui t'attaquent. Ceux qui ne savent pas, ils sont en train de précipiter ma destinée. La Bible dit dans les livres de psaumes, il dresse une table en face de mes adversaires. Au fur et à mesure, ma soeur, mon frère, que les attaques s'élèvent, la table, la distance entre moi et le diable se crée. Oh, bro, satanabake. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, ces choses ne manqueront pas, ne rateront pas. Joseph, il s'est retrouvé dans une situation bizarre. Mais les Madianites l'ont vendu. Lorsqu'il est arrivé dans un marché, oh, Potiphar était là. Dans la vie, ma soeur, mon frère, il y aura des Potiphar. Attention, ma soeur, lorsque tu es dans la maison de Potiphar, mon frère, ce n'est pas le lieu de ta destination finale. À un moment donné, nous commençons à nous réjouir. Quand Dieu commence à te visiter, tu penses que c'est la finalité. Mais ce que tu oublies, Dieu n'a pas encore fini. Il t'amène de gloire en gloire. Il y aura la femme de Potiphar. Il y aura la femme de Potiphar qui enviait Joseph, non pas à cause de sa beauté. Il enviait Joseph parce qu'il y avait une destinée. Il y avait une gloire qui devait à tout prix tuer. Ma soeur, mon frère, si les hommes, les femmes courent derrière toi, ce n'est pas parce que tu es beau seulement. C'est parce qu'ils veulent éteindre la destinée, la flamme
qui est en toi. Mm-hmm. Ma sœur, s'il y a des hommes qui viennent derrière toi, ce n'est pas seulement parce que tu es belle, mais ils veulent éteindre ta destinée. Mais, oh, Mambro Sakerabayende, Joseph, je parle de Joseph, le fils de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar l'a réclamé, l'a voulu. Mais Joseph a dit, non, mon maître m'a donné tout. Mais ce que mon maître ne m'a pas donné, c'est la jouissance de sa femme. Il y a des choses dans la vie. Évitons la compromission. La compromission amène à ce que nous puissions éventrer, nous puissions faire des fausses couches par rapport à notre destinée. C'est pourquoi l'ange a dit à Joseph, dans notre histoire, ne touche pas ta femme, ne la touche pas, parce que si tu la touches, c'est la compromission. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas toucher. Dans mon langage, on appelle cela Ekila. Et qu'il a, cela veut dire un tabou. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas toucher. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas avancer ta main. Tu ne peux pas toucher ces choses avant le temps, car Dieu est le Dieu qui accomplit. Une chose, Joseph, malgré que la deuxième fois, la tunique a été arrachée, mais il était innocent. Dieu a un parcours. Dieu a une histoire. Il ne t'abandonnera pas. Même si on t'accuse faussement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe, ma soeur, mon frère, veille sur la réputation de Dieu et Dieu veillera sur ta réputation. Peu importe ce que les gens disent, ce que les gens croient, la vérité restera toujours la vérité. Shalom à quelqu'un. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je sens une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire, membre Sakarabagé. Oh, une atmosphère de gloire qui descend maintenant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, membre Sakaretabayende. Yenderebochi terebe kalamase terebe. Oh, je sens l'atmosphère de gloire pour dire à quelqu'un. Oh, Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, à un certain moment dans la vie, nous sommes en train de commettre certaines choses. Des fois, ce que nous pensons n'est pas juste. Joseph pensait que Marie était engrossée par une autre personne, mais ce n'était pas juste. Il y a des fois, ma sœur, mon frère, les gens parlent des choses sur toi. J'ai toujours dit ceci, frères et sœurs. Il y a des gens qui croient parce qu'eux font des bêtises. Que tout le monde fait aussi des bêtises. Mm-hmm. Comme eux n'arrivent pas à se maîtriser, que tout le monde ne se maîtrise pas. Amen. Vous allez voir, il y a des gens qui posent même la question, vraiment ma soeur, comme toi tu es là, tu ne fais rien. Mon frère, vraiment, comme toi tu es là, tu ne fais rien. Oh, mais comme toi tu fais des choses, tu penses que tout le monde fait ça? Mm-hmm. Je te pose la question. Tu penses que parce que toi tu fais cela, tout le monde le fait? Tu penses que parce que toi tu fumes, tout le monde fume? Tu penses que parce que toi, tu ne peux pas te maîtriser, tu cours derrière les femmes, tout le monde court derrière les femmes ou court derrière les hommes? Non, bien aimé, chacun de nous a sa manière de marcher. Amen. Chacun de nous est conscient de ce à quoi il est appelé à faire. Bien aimé, à cause de ce que je dois faire, il y a certaines choses, vous savez, il y a des enfants qui sont nés d'une manière biblique, mais il y a Samson. Quand Samson voulait naître, il y a eu des instructions par rapport à sa maman pour lui dire, tu ne prendras ni... vin, ni liqueur forte. Parce que l'enfant qui est là est un enfant qui est, passez-moi l'expression, différent. Alléluia. Amen. Dans notre langage, on peut dire que Samson, c'était un enfant de Kila. Un enfant de tabou. Cela veut dire qu'il y a des choses que sa maman devait respecter, des principes que sa maman devait respecter. C'est pourquoi toi aussi, tu dois comprendre que toi aussi, tu es un enfant différent. Tu marches d'une manière différente. Tu ne fais pas toutes choses parce que ta destinée t'empêche de le faire. Je ne mens pas parce que ma destinée m'empêche de mentir. Je ne vole pas parce que ma destinée m'empêche. Quand quelqu'un d'autre vole, il avance. C'est son problème. Ce n'est pas moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ne garde pas la colère sur ce que tu n'as pas la pleine compréhension. Il y a des gens qui n'ont pas la pleine compréhension de la chose, mais ils s'énervent déjà.
Après, quand on va lui dire, mais tu sais, ce n'était pas ça. Hein, c'est vrai. Moi, j'ai pensé. Bien aimé, quand tu n'as pas la pleine compréhension de la chose, n'entre pas en colère. Tu vas regretter pour rien. Amen. Tu vas regretter pour rien. Tu vas déjà passer à l'acte. Tu fais déjà du mal. Après, tu te poses la question, pourquoi j'ai fait cela? Parce que tu n'avais pas la compréhension de la chose. C'est ça le problème avec les gens. Ils ne comprennent pas tout, mais ils pensent connaître. Tu ne connais rien, mais tu penses connaître. Il y a des gens, bien, même s'ils ne connaissent rien, ils disent, ah oui, c'est vrai, mais j'avais l'idée. Quelle idée? Non, dis seulement que je ne connaissais pas. Dis seulement que je ne connaissais pas. Simple comme bonjour. Je vais dire à quelqu'un, tes souffrances sont temporaires, alors que la parole de Dieu est éternelle. Tes souffrances sont temporaires. Ça va passer. Ça va passer, frères et sœurs. Maîtrise-toi. Contrôle-toi. Ça va passer. Ces désirs-là vont passer. Si tu te maîtrises, ça va passer. Ça t'amène toujours vers le mal. Maîtrise. Bien-aimé, tu as la capacité. J'ai toujours dit, en tant que chrétien, nous devons quitter l'étape âme, corps et esprit pour devenir esprit, âme et corps. Cela veut dire, lorsque tu deviens esprit, âme et corps, tu as la capacité de maîtriser l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Quand tu maîtrises l'âme, tu maîtriseras le corps. Le corps ne peut pas te conduire pour dire la chair est faible, pour justifier. Non, l'esprit est fort et je peux maîtriser. Parce que ma destinée est grande. Je parle à quelqu'un. Ta destinée est tellement grande. C'est pourquoi tu connais les combats. Tu n'as jamais entendu quelqu'un venir te demander l'argent. Et tu dis, non, je n'ai pas d'argent. La personne se fâche. Tu es un cupide. Tu es mauvais, tu es méchant. Et toi aussi, tu te mets en colère pour dire non. Comment il peut dire ça? Oh, mais il est dit. Parce que ta destinée, c'est que toi, tu ne vois pas. Les autres voient. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est que toi, tu ne vois pas. Les autres voient. Les autres voient que tu es grand. Les autres voient que tu es puissant. Mais toi, mais quand tu te regardes, tu dis vraiment moi. Pourquoi les gens m'envient? Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Même toi-même, tu es là, tu es en train d'envier les autres. Les gens qui t'envient là, toi tu les envies. Et lorsque tu arriveras, ils vont commencer à te minimiser. Tu dis, pourquoi mes ennemis sont méchants? Non, parce que toi, tu es un aiglon, mais tu veux vivre avec des poussins. Tu es en train d'étouffer tout ce que Dieu, les dépôts que Dieu a placés en toi. Oh, cher mon Dieu. Cher mon Dieu, je t'ai dit. Cher mon Dieu, je vais dire à quelqu'un de pouvoir se réveiller. Se réveiller. Ne te laisse pas emballer. Ne te laisse pas. Les souffrances sont temporaires. Mais nous passons tous par là. Mais ce n'est pas ton adresse finale. Ce n'est pas ton adresse finale. La parole de Dieu est éternelle. La souffrance passera. Mais la parole de Dieu est là pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, laisse que cette parole te localise là où tu es. Amen. Et change les choses dans ta vie. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, pour terminer, Joseph a agi selon la direction de Dieu. Verset 24 au verset 25. La Bible dit ceci. Joseph s'étant réveillé. Voilà. S'étant réveillé. Bien-aimé, ce soir, quelqu'un va se réveiller. Amen. Je dis ce soir, quelqu'un va se réveiller. Amen. Je dis, ce soir, quelqu'un va se réveiller. Pourquoi tu dois te réveiller? Parce que tu as passé trop de temps dans le sommeil. Bien-aimé, il y a des gens qui dorment en marchant. Cela veut dire qu'il fait tout, mais il dort encore. Oh, révérend sa mère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tu es en train de rêver, tu es en train de dormir. En toi, il y a quelque chose qui doit se réveiller, mais qui dort encore, qui dort toujours. Tu te plains, tu te plains. Tu vas chercher des poussins. Poussins, donne-moi, je ne sais pas comment picorer, mais tu dors, il y a des capacités qui sont en toi, il y a des choses que Dieu a placées en toi, tu dois te réveiller, frères et sœurs, réveille-toi, arrête de te plaindre, arrête de te voir comme un moindre, tu te considères, toi-même, est-ce que, bien aimé, est-ce que lorsque tu regardes vraiment entre nous, que cela soit dit. Est-ce que lorsque tu regardes le miroir, est-ce que tu t'aimes? Non, je te pose la question. Oui, je te pose la question. Est-ce que quand tu as le temps de te mirer, tu as le temps de dire en tout cas, je suis une belle créature des yeux.
J'aime Samuel. J'aime la personne. Est-ce que tu as ce temps-là? Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas le temps de pouvoir. Quand ils se regardent, ils regardent son nez, ils disent hey, mon nez. Ils regardent ses lèvres, ils disent. Mais il y a des gens qui font fort, qui font de plastic surgery pour avoir des big, des grosses lèvres. Mais quand Dieu te les donne gratuitement, c'est pourquoi l'homme, bien aimé, l'homme vraiment, l'homme n'est jamais satisfait. L'homme, vrai, l'homme n'est jamais satisfait. Amen. On lui donne des petites lèvres, elle va grossir des lèvres. Il y a des gens avec des grosses lèvres, ils vont faire en sorte pour faire des opérations. Il y a des gens avec des longs nez, ils vont. Oh, bien aimé, l'homme, oh mon Dieu, l'homme est bizarre, jamais satisfait. Il est des teintes sombres, il veut devenir clair. Il est clair, il veut devenir des teintes sombres. Bien aimé, mais finalement. Ah, l'homme est compliqué, l'homme est bizarre, frères et sœurs, l'homme est bizarre. La Bible dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimé, c'était important pour toi, à un moment donné, de dormir. Parce que même Dieu, pour faire sortir Ève, a fait dormir l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme allait commencer à discuter avec Dieu. Pour lui dire, non, moi je veux ceci. Dieu a dit, connaissant l'homme, l'homme change. Dieu dit, non, laisse-moi le faire coucher. Il termine, lorsqu'il réveille l'homme, les pensées de l'homme, Dieu connaissant l'homme, il a créé la femme selon l'image que l'homme avait. C'est pourquoi Adam pouvait dire, oh, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, satisfait comme tout. Et ce que nous devons comprendre, il y a un moment donné dans le sommeil, Dieu nous parle. Dieu t'a révélé beaucoup de choses, mais tu n'arrives pas à te lever pour continuer ton chemin. Tu n'arrives pas à te lever pour agir. Le problème avec nous, c'est la peur de commencer. Pourquoi? On se dit, si je commence et que j'échoue, qu'est-ce que les autres vont dire? Frères et sœurs, moi, je n'ai jamais échoué, mais j'ai fait des tentatives. Il y a une différence entre échouer et faire des tentatives. Quand une tentative ne marche pas, il n'y a pas de péché. Bien aimé, il n'y a pas de péché. J'ai tenté, ça n'a pas marché, je vais encore reprendre. Je vais encore. Dans la vie, bien-aimé, même toi qui es là aujourd'hui, tu es adulte. Avant de commencer à marcher, est-ce que tu as marché d'un coup? N'est-ce pas que tu tombais, les gens étaient contents, ta maman, ton papa était là pour dire, ah, il commence à marcher. Mais peut-être que tu ne marchais pas encore. Jusqu'à ce que tu as pris l'élan. Dans la vie, il y a aussi des ratés. Mais ce ne sont pas des échecs, ce sont des tentatives. Moi, je sais, bien-aimé, dans le Seigneur, par rapport dans mon domaine de finances, j'ai eu trop de ratés. Un exemple. Un jour, parce que dans la comptabilité finance, tu ne peux pas envoyer la facture d'un client chez un autre. Peut-être que ce sont des compétiteurs. Lorsque tu envoies, il saura maintenant les marchandises. Et c'est une faute grave qui est passible de licenciement. J'ai perdu un travail à cause de cela. Et pour moi, ce n'était pas un échec. C'est vrai, par exemple, j'avais perdu le travail. Mais après, qu'est-ce qui s'est fait? Je suis devenu prudent. Pas comme les serpents, plus que même les serpents. Donc, avant d'envoyer une facture, je vérifie, je revérifie. Je vois vraiment l'entête, je regarde, je suis sûr. Et là, j'envoie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tentatives. Les choses qui n'ont pas marché, et maintenant ça marche. Tu étais dans une relation de fiançailles, ça n'a pas marché. Dieu ne t'a pas maudit si ça n'a pas marché. Bien aimé, en parlant, les fiançailles peuvent se rompre à tout moment. Raison pour laquelle pendant les périodes de fiançailles, ce sont des périodes où chacun de nous doit se préserver. De peur que tu puisses dire, il m'avait trompé, il a fait ceci, il m'avait trompé. Pour ne pas tomber dans cela, préserve-toi. Alléluia. Et Joseph a agi sur la direction de Dieu parce que, premièrement, Joseph a fait confiance à la fidélité de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle.
Bien-aimé, Dieu est fidèle. L'homme est infidèle, mais Dieu demeurera fidèle. Lorsque nous comptons sur la fidélité de Dieu, bien-aimé, nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver là où Dieu nous attend. Joseph a cru à une idée qui n'avait pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Il a cru à une idée qui n'avait pas de sens. Comment toi, tu vas prendre ta femme et héberger un enfant qui n'est pas à toi? J'ai suivi quelqu'un aujourd'hui qui parlait en disant, dans une des tribus au Congo, chez les Baloubakat, on dit toujours que même si ta femme déconne, l'enfant là sera tout ton enfant. Mais je veux dire, il a cru que ça n'avait pas de sens. Il a cru que l'idée de camoufler, parce que par rapport à la loi, Joseph devait lapider Marie. Mais par rapport à la révélation qu'il a reçue de Dieu, Joseph devait être le père de Jésus. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. La société peut nous amener dans ce qui est contraire. Mais lorsque nous rentrons dans les principes de la Bible, on ne doit pas le faire. Amen. Je me rappelle un jour, frères et sœurs, je suis allé, ici en Angleterre, je suis reconnu comme révérend, pasteur, des fonctions. Et on m'a dit ceci, si tu veux bénir le mariage et que cela soit reconnu au niveau, comme les gens vont au niveau communal, tu dois aussi accepter de bénir le mariage des homosexuels. Je leur ai dit, merci, je ne veux pas. Et j'ai refusé. Pourquoi? Je ne veux pas entrer dans la compromission. Ce qui va à l'encontre des principes de Dieu, je n'accepte pas. Joseph a cru à une idée qui n'avait pas de sens, mais qui va prendre un sens. Et Joseph a maintenu la pureté parce que Dieu lui a dit, ne touche pas. Bien-aimé, garde ta pureté. La pureté, la sainteté paye. Bien-aimé, je vous dis la vérité, ça paye. À chaque fois que tu tombes, tu es en train de perdre quelque chose dans ta vie. À chaque fois que tu tombes, tu es en train de perdre un niveau dans lequel tu n'arriveras plus. C'est pourquoi fais en sorte de te recommander entre les mains du Seigneur. Mais quelqu'un va me poser la question, révérend Samuel, que puis-je faire? Parce que je suis faible et je tombe toujours. Ce que tu dois faire, c'est de rentrer encore à la croix. Amen. Rentre à la croix. Recommande ta vie. Dis au Seigneur, brise-moi. Dieu, c'est le travail à moi. Bien-aimé, les gens qui ne le font pas, ils ne sont pas spéciaux. Ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont qu'une seule tête. Amen. Ils n'ont pas 25 heures. Ils n'en ont que 24. Cela veut dire, s'ils arrivent à surmonter, toi aussi tu peux le faire. Amen. Et une chose, ma soeur, mon frère, la discipline n'est pas un don spirituel. La discipline, c'est quelque chose, c'est une attitude qu'on développe. Amen. Moi, j'ai l'habitude, j'ai développé une discipline en moi. 21h, 22h, je vais au lit, je vais dormir. Mais s'il y a des appels, je peux me réveiller. Pourquoi je vais dormir? Parce que je sais que je me réveille tôt le matin pour la prière. J'ai besoin que mon corps se repose. Amen. J'ai besoin aussi de prier avec force. Amen. Quand je ne dors pas bien, même quand je prie, je sens cette lourdeur. Ce qui m'a amené dans ces choses-là, c'est la discipline. C'est la discipline. Tu ne peux pas. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne supportes pas. Ne sois pas seul. N'y va pas seul. Ça te préserve. Pourquoi? Parce que tu as la discipline. Lorsque vous lisez dans les dons spirituels, il n'y a pas de dons spirituels de la discipline. Mais la discipline, c'est une attitude que tu dois développer. Joseph a gardé la pureté. Vous savez quelle douleur il avait. Vivre avec une femme, sans la toucher, jusqu'à ce que la femme va enfanter. Mais il a fait. C'est pourquoi Dieu est le Dieu qui récompense tous ceux, celles qui se conserveront purs. Garde-toi. Préserve-toi. C'est un plaisir qui est éphémère, qui passera. Mais ta destinée est tellement grande. Ne te laisse pas embrouiller. Parce que le monde actuel, c'est quoi? Une fille qui est vierge a honte de le dire. Parce qu'on dira que comment toi tu peux être... Tu dois quand même avoir une certaine expérience dans la vie. Bien-aimé, je préfère ne pas avoir l'expérience avec le monde, mais avoir l'expérience avec Dieu. Je préfère de refuser l'expérience du monde, mais vivre selon les principes de Dieu. Apprenons nos enfants ces choses, à se conserver.
Nous voyons directement quelqu'un qui se présente, dit fiancé automatiquement. Vous, vous faites tout dans les fiançailles. Et après, lorsque le fiancé va t'abandonner, tu vas commencer à dire, les frères de l'église sont des menteurs. Les frères des églises sont des païens. Ils ne sont pas païens. Toi aussi, tu es païenne. Parce que si tu ne l'étais pas, tu n'allais pas t'offrir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est difficilement arrachable, ce qui est difficile à prendre, a du prix. Moi, je me rappelle, frère, moi que vous voyez, j'ai eu à travailler, frères et sœurs, je n'ai pas honte de le dire, et je l'ai dit à haute voix, j'ai eu à travailler, je faisais un travail de 12 heures, de fois 14 heures. Un travail, bien-aimé, où tu sortais, tu es fatigué, épuisé. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent pour épouser ma femme. Non pas rester comme ça, épouser ma femme. Et je suis fier. Même si aujourd'hui vous me regardez, personne d'entre vous verra sur ma figure que j'avais fait ce travail-là. Si moi je ne te le dis pas. Si moi je ne te le dis pas. J'ai eu à travailler 14 heures du temps. J'habitais Newcastle. Les gens qui connaissent l'Angleterre, Newcastle, ma femme habitait Londres. Les gens me disaient, mais toi, allez seulement habiter ensemble. Vous allez vous marier après. Imaginez si je suis allé, on pouvait rester ensemble. Mais est-ce que je pouvais avoir la notoriété de parler sur la pureté? J'allais sacrifier Jésus à cause d'un plaisir. Amen. Sacrifier ma destinée. Je me suis dit non, je dois travailler. J'ai travaillé, frère. Et je me rappelle, quand j'étais en train d'envoyer, j'envoyais les choses en Afrique pour notre dot. Mon père a dit, nous pouvons aussi faire. J'ai dit à papa, non, laisse-moi me battre. Et c'était pour moi une fierté de me battre. Bien aimé, aujourd'hui quand même, j'ai une santé. Mais là, j'étais maigrichon. Comme tout, les gens qui me regardaient, ils croyaient que j'allais mourir. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vu. Pourquoi? Tout sacrifice, il y a toujours une récompense. Amen. Et aujourd'hui, je suis fier d'être Joseph ou ma femme. Je suis fier de faire ce que je dois faire. Aujourd'hui, j'ai mes enfants. Je suis fier de dire à mes enfants, vous devez aussi travailler. Si vous voulez vous marier, vous devez travailler. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Et je suis sorti vainqueur. Si je le suis, bien aimé, mes enfants aussi le seront. Toi aussi, tu peux l'être. Ne te laisse pas embrouiller par la société pour dire non, ces choses-là sont caduques, sont dépassées. Non, ce ne sont pas dépassées. Les principes bibliques restent bibliques. Les principes bibliques restent bibliques. Joseph n'a pas connu Marie. Il avait le plein droit. Mais comme il avait donné la parole d'honneur, il est resté tel quel. Toi aussi, donne la parole d'honneur. Reste, maintiens la pureté. Bien-aimé, le monde nous présente des choses, mais maintiens ta pureté. Maintiens ta sainteté. Reste confiant. Tu es belle. Tu es beau. La société nous ment. Il y a des gens qui disent, tu ne peux pas rester comme ça, sinon tu auras des myomes et des fibromes. Mais je me pose des questions. Des femmes qui ont des myomes et des fibromes qui sont mariées. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent ajouter encore un autre mari? Ça, c'est la question que je me pose. Vous voyez combien la société est en train de déformer des choses. C'est pourquoi les gens croient. Il y a même des mamans qui disent à leur fille, mais toi, tu restes comme ça. Laisse-la, maman. Laisse-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Préservons-nous. Préservons-nous. Frères et sœurs, si tu as un enfant, tu as des enfants, tu as des filles, sois dur avec elles. Sois dur. Pas en tapant, mais il faut être serein. Il ne faut pas dire, comme l'enfant à cet âge-ci, je dois les laisser se promener. Il porte des pantalons, il perd des mini, il porte tout. Non, va te promener, tu es libre, tu dois découvrir la vie. Non. Non. Est-ce que ce soit les garçons, non, ils soient libres de découvrir. Non. Parce que tu risques de rater. Tu risques de rater tes enfants. Tu risques d'être confondu par rapport à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, si toi tu as pu échouer, ne permets pas à tes enfants d'échouer. S'il y a eu des choses, il y avait des ratés dans ta vie, fais de tes ratés les réussites de tes enfants. Et tu verras que tes enfants iront loin. C'est pourquoi Joseph, tellement il a reçu de Dieu, tellement il a marché avec Dieu, il a dit, je ne peux pas toucher Marie. Il a accepté de vivre plus d'une année sans toucher une femme. Vous vous rendez compte de quel sacrifice? Bien-aimé dans le Seigneur, les sacrifices se payent toujours. Les sacrifices se payent toujours, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, je suis en train de parler à un Joseph, à une Joséphine.
L'homme ou la femme qui peut changer la destinée des hommes. L'homme ou la femme sur qui Dieu a placé la confiance pour dire, tu peux encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé presque à la fin de mon message. Est-ce que je crois fermement de tout mon cœur que j'ai eu à parler à un Joseph, j'ai eu à parler à une Joséphine pour lui dire que, écoute-moi, la dernière des choses, pour terminer, il a dit, Joseph a donné le nom à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es prêt? Es-tu prêt à donner le nom à ta destinée ce soir? Ce soir, ne rate pas. Ce soir, c'est une soirée où nous nous réveillons du sommeil. Vous savez, quand quelqu'un se réveille du sommeil, il se lève de son lit. Si tu as l'habitude de mettre les slippers, tes babouches, ta première chose, tu dois mettre les pieds sur tes babouches. Si tu as l'habitude de t'asseoir, réveille-toi. Prends la position qui est idéale. Commence maintenant à dire. Commence maintenant à donner les noms. Car tu es Joseph de ta vie. Tu es Joséphine de ta vie. Le Seigneur n'a pas... La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait, il peut aussi le faire. Joseph, un homme qui garde la réputation. Joseph, un homme qui ne profane pas. Joseph, un homme qui sait supporter. Joseph, un homme qui croit à sa destinée. Joseph, Joséphine, je crois que je parlais à une Joséphine. Ne te méprise pas, même si les gens te regardent, même toi qui ne te considères pas. Mais je crois que tu es Joséphine. Je crois que tu es Joseph. Les choses ne seront plus les mêmes dans ta vie. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de pouvoir même chanter. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un qui croit que Dieu fait de lui un Joseph, fait d'elle une Joséphine. Si tu crois avec moi, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Fais seulement cette courte prière selon que le Saint-Esprit de Dieu t'oriente. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis que toi qui es Emmanuel et Dieu parmi nous, j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'orienter, que tu puisses me guider. Prie avec moi, alléluia. Nderebo shatarabake. Kenderebo shatarabage. Nderebo sitarabage. Seigneur mon Dieu de gloire, ta grâce et ta faveur dans la vie d'un Joseph, dans la vie d'une Joséphine qui m'a écouté ou qui va suivre cela même en différé. Que sa vie, Seigneur mon Dieu, soit influencée, que sa vie soit bénie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Dieu de toute éternité bénisse ta vie. Que le Dieu de toute éternité te fasse voir sa gloire. Là où ça n'avait pas marché, qu'il te relève encore. Alléluia. Que ta destinée crie. Que ta destinée crie. Que ta destinée crie. Derebo shatarabake. Derebo sitarabake. Derebo satarabake. Que la grâce et la faveur de l'Éternel se manifeste. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te réveille du sommeil. Et que ta destinée te conduise à vivre autrement. Que ta destinée t'amène à vivre autrement. Que ta destinée t'amène à vivre autrement. Que ta destinée t'amène à se séparer. Que ta destinée amène la nouveauté dans ta vie. Que ta destinée, que rebochete, que ne rebochata là-bas. Que ta destinée amène la grandeur. Que ta destinée amène la gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, va encore plus loin. Réussis encore sur ton chemin. Marche encore la tête haute. Car Dieu marche avec toi. Car Dieu et le Dieu qui est vivant. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Sois béni. Sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia.
De rebo. De rebo si tarabake. Alléluia. Merci Jésus. Oh Emmanuel. 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 Oh Emmanuel. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Alléluia. 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 Bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que les Joseph peuvent acclamer? Est-ce que les Joséphines peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que les Joséphines peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu qui a fait de toi Joseph, qui a fait de toi Joséphine? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation à ton Dieu? Est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation? Là où tu es, est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation? Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Est-ce que tu peux donner les offrandes d'acclamation? Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Les offrandes d'acclamation. Lui qui est vivant, lui qui est réel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Si votre frère, votre pasteur, le révérend Samuel, nous avons été contents de vous avoir nombreux. Et merci aussi d'avoir partagé. Nous vous donnons rendez-vous, bien-aimés, demain samedi, à partir de 5h juste, heure de Londres. Nous serons là dans une prière intense. À partir de 5h, heure de Londres, nous serons là, live en prière. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui nous bénit encore davantage. Et n'oublions pas, bien-aimés, les dimanches, on aura un programme spécial. Mais nous allons faire simplement un décalage un peu d'heure. En lieu place de commencer à 10h, mais nous allons commencer à 11h30, heure de Londres. Donc, 11h30, heure de Londres, soyez connectés, nous allons encore envoyer des messages. Soyez bénis, je vous aime, bon week-end. Bien-aimés, tu peux aussi profiter, sortir même dans ton jardin, essayer un peu de te déstresser. Que la joie de l'Éternel soit notre partage, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, sœur Hélène, frère Patrick, que Dieu te bénisse, Freddy, que Dieu te bénisse, ma sœur Venise, que Dieu te bénisse, Manuel, l'homme de la source finale. Que Dieu te bénisse, adorateur Chiba. Que Dieu vous bénisse, maman Janine, Stéphie. Que Dieu te bénisse, maman Sylvie. Que Dieu te bénisse. Je bénis tous mes enfants spirituels de l'église évangélique Amar, Chermine. Que Dieu vous bénisse, maman Bondo. Je bénis tous les frères et sœurs que je connais de la Guadeloupe, Martinique, de la France, de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Oh, ma sœur Lydie, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez couverts de grâce et de faveur. À partir de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye.